الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية. الغزوة 27 غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors la 27e conquête, c'est celle de Tabouk, et c'est la dernière. Par la suite, on va parler des expéditions Al-Bu'uth والسرايا بعد ذلك سنتكلم عن طبعا هناك غزوات ضمن الغزوات وقبلها كان بعوث وسرايا لكن المؤلف ذكر أولا الغزوات ثم بعد ذلك يذكر البعوث والسرايا لكن بين الغزوات بينها كان هناك بعوث وسرايا entre les conquêtes il y avait des expéditions même avant la bataille de Badr il y avait des expéditions mais l'auteur l'Iraqi il a cité tout d'abord les conquêtes les batailles, les... oui, par la suite, il va citer les expéditions. هذه الغزوة غزوة تبوك تسمى العسرة والفاضحة. العسرة لأنها كانت في زمان صعب، الناس ينتظرون الثمار وقت ضيق، وقت حر. والفاضحة لأنها فضحت المنافقين. On a nommé la conquête de Tabouk la conquête de difficultés parce que c'était au moment que les gens attendaient leurs fruits, les palmiers, les dattes. Et c'était un moment très dur, très difficile. Il n'y avait pas assez de moyens chez les gens. Et on l'a nommé encore la conquête du dévoilement parce qu'elle a dévoilé les hypocrites. بينها وبين مكة 14 مرحلة وبينها وبين دمشق 11 وهي آخر غزوة غزاها بنفسه. Alors entre Tabouk et la Mecque est la distance de 14 jours et entre Tabouk et Dimashq 11 et Damas 11 jours. يعني voyez elle se trouve entre la Mecque et Damas. Et c'est la dernière conquête que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait. سببها أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل فأمر أصحابه بالتأهب لغزوهم وكان ذلك في شدة من الحر وجدب من البلاد. Alors pourquoi la conquête de Tabouk? Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a entendu que Héraclius il a réuni un grand armée, il a donné à cette armée de l'argent pour une année et qu'il a l'intention d'envahir la Médine, de venir combattre les musulmans chez eux. Et c'était un moment de, il y avait vraiment de chaleur, de sécheresse. وكان قل ما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة إلا ورى بغيرها إلا هذه لأن لبعد المسافة وللمشقة وكثرة العدو فأما صرح بها ليتأهب الناس أهبتهم. Souvent le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il faisait une telle conquête il faisait ce qu'on dit sous-entendu يعني il ne dit pas les choses où il va mais peut-être il parle de telle chose, parce que s'il y a des espions, ils n'auront pas la nouvelle où le prophète voulait attaquer. Souvent, c'était la stratégie du prophète, alayhi salatu wasalam, de surprendre l'ennemi. Mais là, c'est une conquête qui est loin, un moment très dur, un grand ennemi, il faut que les gens se préparent comme il faut, alors il l'a dit clairement où il va pour que les gens prennent les provisions suffisantes. فقال وهو في جهازه للجد بن قيس هل لك العام في جلاد بني الأصفر إلى دي à quelqu'un qui s'appelle الجد بن قيس est-ce que tu as l'intention qu'est-ce que tu dis si on va
attaquer les Romains, c'est-à-dire voilà les gens qui ont de couleur blanche, qui sont venus de l'Europe, voilà. فقال وهو يا رسول الله ولا تأذن لي ولا تفتني فلقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء أو أشد عجبا بالنساء مني وأن يخشى أن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. Qu'est-ce qu'il a dit le جد بن قيس؟ Il a dit ô prophète, si tu permets que je reste parce que j'ai peur d'être séduit parce que les gens connaissent que je suis très fan des femmes, et si je vois les femmes qui ont de couleur blanche, j'ai peur de ne pas patienter. Voilà, c'est ce qu'il dit. Le prophète, il a laissé, il lui a dit, Avintulaka, c'est-à-dire, voilà, tu restes, je te donne. فنزلت ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا أي وإن كان إنما خاف الفتنة من النساء وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة أكبر لتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه. Alors, lui, il dit que oui, j'arrive pas à patienter si je vois les femmes blanche, alors, mais plutôt ce qu'il a fait, c'est plus grave, le fait de ne pas suivre le prophète alayhi salatu wassalam. قال بعض المنافقين لا تنفروا في الحر. Il y a certains hypocrites, ils ont dit, il ne faut pas qu'on sorte en étant en plein chaleur, en plein été, il fait chaud. هذا يقولونه شكا في الحق وإرهاجا بالرسول. يعني, ils le disent parce qu'ils Il doute, est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, est un prophète messager? Voilà, c'est. Et pour affaiblir un petit peu les autres. فنزل فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر. Ils ont dit, ne sortez pas en étant en plein chaleur. ثم إنه جد في سفره وحض أهل الغنى على النفقة والحمل في سبيل الله. فحمل رجال من الأغنياء وأنفق عثمان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. Alors le prophète a motivé les compagnons à se préparer pour sortir, et il a encouragé les gens riches à donner de leurs biens. Alors beaucoup parmi les musulmans qui ont les moyens, ils ont donné aux gens qui n'ont pas les chameaux, qui n'ont pas des chevaux, qui n'ont pas des mulets, ils ont donné pour qu'ils puissent se déplacer, et qu'est-ce qu'ils ont besoin durant leur voyage. Amma Othman radiyallahu anhu, tandis qu'Othman, il a dépensé dans cette bataille que personne n'a fait comme lui. Anfaqa. وضع ذهبا عظيما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجهز 300 راحلة. Il a mis de l'or dans la main du prophète pour dépenser, et il a équipé 300 chamelles, 300 chameaux pour qu'ils portent les gens équipés. فلما خرج ضرب عسكره على ثنية الوداع وضرب عبد الله بن أبي بن أبي معه وعلى حدة العسكر أسفل منه. يعني, le prophète, il est sorti avec son armée, et ils se sont arrêtés vers l'endroit, on dit, Thaniyat al-Wada', le chemin on dit, d'adieu. Et Abdullah, il n'a pas été avec le prophète, il s'est mis à côté, plus bas. وكان يعني وكان عنده جمع كثير. Il avait beaucoup de gens avec lui. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي في من تخلف من أهل الريب رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. Et il s'est reculé avec les hypocrites qui étaient avec lui, qui n'ont pas été dans l'armée
du prophète alayhi salat wa salam. C'est pour cela qu'on a dit Al-Fadiha. Cette conquête, c'était la conquête qui a dévoilé les hypocrites. وخلف عليا على أهله وأمره بالإقامة. Et il a dit à Ali, toi tu restes, tu t'occupes de nos femmes, de nos enfants. Le prophète avait beaucoup d'épouses, il avait les filles, il y avait beaucoup de sa famille. Et les femmes et les enfants de la communauté musulmane, alors on a besoin de quelqu'un de très intelligent, de très courageux, qui arrive à défendre et à faire la stratégie qu'il faut. Alors il a trouvé que Ali ibn Abi Talib est la personne qui remplit tout ses qualités. Al-Amr yahtaj ila rajul hakim shuja' ay hasal ay sha hasal hadha ar-rajul yastati' an yatasarraf li fahmihi husn tadbirihi hikmatihi shaja'atihi. فقال المنافقون ما خلفه الا استثقالا وتخفيفا منه. Les hypocrites, ils ont dit, ah, il les a laissés parce qu'il le trouve lourd. Il veut se débarrasser de lui, alors il l'a laissé ici. Regardez comment ils sont. Parce que l'envie et l'orgueil les a tués. Comme Ali ibn Abi Talib était avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'était un grand homme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, le prophète, il n'a pas envie de le porter. Il le trouve lourd. Il veut se débarrasser de lui. فأتاه سيدنا علي ما سكت عن هذا هؤلاء الكاذبون كيف يزعمون هذا فأتاه فأخبره علي بن أبي طالب venu lui dit voilà telle et telle personne disent telle chose فقال كذبوا لقد خلفتك لما تركت ورائي فارجع فخلفني في أهلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. Alors le prophète, il lui a dit, ils ont menti. Je t'ai laissé pour les gens qui ont été derrière moi, c'est-à-dire ma famille, mes épouses, les musulmans, les femmes, les enfants. Hey, il faut avoir un homme fort et intelligent. Et il a dit, reviens et remplace-moi pour ma famille. Tu n'acceptes pas que tu sois pour moi comme Haroun vis-à-vis de Moussa, parce que Moussa, lorsqu'il a été au mont du Sinaï, il a laissé Haroun le remplacer. Et moi, je te laisse, hein, je te laisse comme tu me remplaces pendant mon absence, comme il a fait Moussa avec son frère Haroun, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. إلا أنه لا نبي بعدي وهذا لا يفهم منه أن علي بن أبي طالب هو بالفضل مثل هارون لا أبدا mais il faut pas comprendre que Ali ibn Abi Talib il est comme Harun. الأنبياء أفضل من الأولياء. Les prophètes sont plus honorés, plus élevés que les saints. لكن comme Moussa il a laissé Harun le remplacer pour sa communauté, Sayyidina Muhammad a laissé Ali ibn Abi Talib pour le remplacer pour la communauté musulmane et sa famille qui se sont à Médine. فمضى على سفره لما بالحجر مر بالحجر ديار ثمود سج ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا الا وانتم باكون خوفا ان يصيبكم ما اصابهم. Lorsqu'il a passé par le Hijr, c'est la place de la communauté de Salih. Ces gens-là, la communauté, le tribu de Thamoud, le prophète qui a, Allah Ta'ala lui a donné le miracle de la chamelle qui est sortie d'une roche. Alors lorsqu'il est arrivé à cette place, le prophète a couvert la tête et il a bougé son mulet pour qu'il passe vite, pour qu'il passe vite. Et il a dit, lorsque vous rentrez dans les villes ou les pays des injustes, alors rentrant en pleurant à part avoir en ayant peur d'avoir ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire de ne pas être comme eux, de ne pas être éprouvé comme eux. Et il a dit, mais ne buvez pas de leur puits. قال النبي لا تقربوا هذا الماء ولا حتى
ne vous approchez de leur, pas de leur puits. وكان لكن سبق بعض القوم certains ont passé avant ils ont pris de cette eau ils ont mis même ils ont fait des pâtes فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عجين عجنتموه فعلفوه للناضح ولا تأكلوا منه on a dit le farine que vous avez fait avec cette eau donnée pour les animaux ne mangez pas de ça فأصبح الناس لا ماء معهم alors ils se sont levés le matin et il n'y avait pas d'eau فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتووا وحملوا الله تعالى a fait envoyer un nuage qui a pleuré, qui a pleuvé, qui a plu, oui, puis après ils ont pu prendre de l'eau, ils ont pu remplir l'eau parce qu'il a bien plu. ثم ضلت ناقته فخرج صحبه في طلبها. La chamelle du prophète s'est perdue. C'est allé loin. À certains compagnons, ils ont été pour la chercher. فقال المنافقون أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته قلنا نحن il y avait beaucoup des hypocrites qui ont resté mais il y avait quand même certains qui ont été pour ne pas être dévoilés alors ils étaient ensemble. Alors entre eux ces hypocrites ils ont dit mais Et ils prétendent que lui, il reçoit la nouvelle du ciel, les anges descendent sur lui. Il ne sait pas où est la chamelle. Comment ça se fait? Un prophète, il nous parle des choses dans les cieux, et il ne sait pas où est sa chamelle sur la terre. فَأَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ Jibril est descendu pour lui informer que ces hypocrites ont dit telle chose. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ رَجُلًا قَالَ كَذَا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَعْلَمْ إِلَّا مَا عَلَّمَنِ اللَّهُ وقد دلني عليها وهي بالوادي من شعب كذا حبستها شجرة بزمامها. Le prophète a dit un tel a dit telle parole et moi je ne sais que ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné comme science. Moi je ne connais pas le ghaib. Et il m'a informé, il m'a donné la connaissance qu'elle est dans telle vallée que la corde avec laquelle est attachée c'est accroché à un arbre alors vous allez trouver là-bas et les compagnons ils ont été à la place que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, a décrit ils l'ont trouvé là-bas il y avait certains qui ne sont pas venus Ka'b ibn Malik c'est merde أنه في غزوة يقدم رجل يؤخر رجل تيفوا يعني ولا كيس كو جو في بالاخير ما راح مي فريمون il était il avait tout ce qu'il faut il avait tout ce qu'il faut mais il n'a pas été il n'est pas sorti il y avait certaines qui n'ont pas été alors on dit oh messager de telle personne n'est pas venu فلان ما اتى فيقول دعوه فإن يكن فيه خيرا فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه Qu'est-ce que le prophète disait? Laissez, s'il y a du bien en lui, il va vous suivre, il va nous rejoindre. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas du bien, alors on sera soulagé de ne pas qu'il ne soit pas avec nous. ولما انت طبعا بعض الصحابة راحقه ماشيا certains ils ont été à pied avec leurs affaires ils l'ont suivi et le prophète disait soit-elle يعني أنا du loin il dit soit-elle et il sera comme le prophète a dit de lui c'est telle personne ولما انتهى إلى تبوك أتاه يوحنا ابن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية alors vers l'endroit de Tabouk, il y avait un homme chrétien qu'on dit Yohanna, fils de. Il a une ville là-bas, il s'appelle Ayla, et il a fait un accord de paix avec le prophète, alayhi salatu wassalam. وَأَتَاهُ أَهْلُ جِرْبَاء وَأَزْرُجْ فَأَعْطَوْهَا Alors, encore d'autres personnes, un endroit qui s'appelle Jarba, Azroj, ils sont venus, ils ont fait un accord de paix, et ils ont payé le tribut pour le prophète et il a fait un accord de sécurité pour eux.
ثم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة دومة، وهو رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. فإذا هذه دومة الجندل c'était une région que أكيدر هذا كان ملكا، c'était un homme qui gouvernait cette région دومة الجندل. وعله حصن، il avait un château. Il avait un mur entouré le château. Et il a dit à Khalid, va vers lui, tu vas le trouver en train de chasser les buffles sauvages. Il a dit, va vers lui, tu vas le trouver en train de chasser les buffles. Ça, c'est un miracle lorsque le prophète il dit une chose et tu vas le trouver. C'est-à-dire, c'est Allah Ta'ala qui lui a donné la connaissance. Allah Ta'ala a'lamahu bithalik. فخرج حتى إذا كان من حصن منظر العين وفي ليلة مقمرة وهو على سطحي ومعه امرأته. Alors Khalid est arrivé, il voyait le château et c'était une nuit de la pleine lune. وجاءت البقر الوحشية تحك قرونها بالباب. Les buffles sont arrivés jusqu'à la porte de sa forteresse, de son château. فقالت امرأته ما رأيت مثل هذا قط. قال فمن يترك هذه. La femme il a dit j'ai jamais vu comme ça. Ils arrivent jusqu'à la porte. C'était à l'époque la chasse c'est important. Un buff ça peut nourrir 100 personnes, 200 personnes. À l'époque c'était une chose que les gens aimaient beaucoup. فأمر بفرسه فأسرج فركب معه نفر من أهل بيته منهم أخوه حسان وخرجوا. Alors il a dit voilà mettez préparez mon cheval. Il y a certains de sa famille qui sont sortis avec lui. Il a dit on va pas laisser ces buffes qui sont là. Et ils sont sortis. Il y avait son frère Hassan qui est sorti. لقيهم خيل مصطفى صلى الله عليه وسلم فأخذوه. Alors l'armée Khalid ibn al-Walid il les a rencontrés et ils les ont pris et il y avait comme des attaques tout ça. Alors son frère Hassan a été tué. كان عليه قباء ديباج مخوص بذهب فاستلبه خالد. Il avait un habit tissé avec de l'or. فبعث به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ils ont pris comme au Kaider, ils l'ont pris comme prisonnier. Son frère a été tué. Alors, et il a envoyé cet habit au prophète عليه الصلاة والسلام. فجعل المسلمون يلمسونه ويتعجبون. Les musulmans ils l'ont touché, ils disent mais comment ça, comment c'est cher, quelle qualité. قال عليه الصلاة والسلام تعجبون منه لما ناديل سعد المعاذ في الجنة أحسن منه. Vous êtes étonné de ça, ce qu'il a fait Sa'd ibn Mu'adh au paradis, c'est beaucoup mieux que ça. ثم قدم خالد على رسول الله بأكيدر فحق ندمه وصالحه على الجزية فرجع إلى قومه. Alors Khalid al-Walid est venu avec le roi qui s'appelait Okaider pour cette région et le prophète l'a pas tué mais il a conclu avec lui un accord de paix et il l'a fait retourner chez lui. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة. Il a fait plus que 10 jours, plus que 10 nuits à Tabouk. ولم يتجاوزها. Il n'a pas dépassé ça. وكان بلغه سمع أنه هرقل فرق عسكره قال كل واحد يروح إلى بيته. بعد ما كان جماعهم يريدون غزو المدينة لما سمع أن النبي قادم إليه فرق عساكره. Lorsqu'il a entendu que le prophète est venu pour le confronter, il a ordonné à son armée de se disperser, de revenir chez eux. Et il était effrayé, il avait eu peur, il a eu peur de confronter le prophète عليه الصلاة والسلام. يعني c'est l'histoire de Tabouk, c'est dans les livres de détaillés de ça, il y a beaucoup plus de détails que ça. Même après, il y avait un jour, je vous cite, Inch'Allah, le hadith de Ka'b ibn Malik,
et deux personnes qui n'ont pas été et qui n'ont pas menti. Parce que les hypocrites, al-munafiqin, al-munafiqun, لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا يعتذرون وكذا واستغفر لنا وأهلنا ومالنا وكذا. Il donnait des faux excuses et le prophète, il prend l'apparence et il les laisse. Tandis que Ka'b ibn Malik, il est venu, قال أما أنا لا عذر لي. قال أنا اليوم لا ينجيني إلا الصدق. Il a dit, je ne veux pas mentir. Si je vais vraiment, voilà, aujourd'hui je dis la vérité. Il a dit, Ya Rasulallah, j'étais en tout, j'avais tout ce qu'il faut, mais j'avais pas d'excuses. Lui, il est jeune, les autres n'étaient pas jeunes comme lui. Et ils n'ont pas menti. Alors, qu'ils étaient attachés au pilier de la mosquée. Seulement, on les détache pour prier, et puis après, ils reviennent. Alors que les femmes, leurs épouses, ils s'éloignent d'eux. Et puis, après des jours, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la repentance de ses compagnons. Je vous parle, inshallah, de ce hadith qui est très joli et très touchant. Comment c'est Allah ta'ala a révélé leur repentance. إذن هذه 27 غزوة غزاها النبي عليه الصلاة بنفسه قاتل فيها بسبع أحد والخندق وبدر بني قريظة بني المصطلق خيبر الطائف. وحكى أهل السير أنه قاتل في بني النضير ووادي القرى المشهور بذي قرد وهو قول الواقدي والصحيح المشهور إنما قاتل فقط في سبع. Alors on a dit 27 conquêtes et que le prophète alayhi salatu wasalam a combattu dans 7 conquêtes. Et on a dit lesquelles c'est Uhud, Al-Khandaq, Badr, بني قريظة بني المصطلق خيبر الطائف. voilà. الآن يذكر البعوث والسرايا إلى الملوك والبلاد. Il va aborder maintenant les expéditions, les délégations qu'il les a envoyées vers les rois. Et les expéditions, c'est des armées que le prophète a envoyées pour attaquer là ou là et sans être avec eux. من دون أن يكون معهم. ويسمى هذا البعوث يسمى يعني الجيش يعني أرمي، لكن نحن أطلقنا الغزوة التي كان النبي فيها سميت غزوة، فإن لم يكن فيها قلنا سرية أو بعثا. Alors, si le prophète est dedans, on a dit غزوة, conquête. Et si n'était pas, on a dit بعث, on a dit سرية. السرية جمع وهي القطعة من الجيش يبلغ أقصاه 400. سموا بأنهم لأنهم خلاصة العسكر. Pourquoi on dit Saria? On les a nommés. Saria, c'est une partie d'une armée qui arrive jusqu'aux 400 personnes. On dit voilà Saria. Et on l'a nommé comme ça parce que des fois, c'est-à-dire, c'est des personnes bien choisies qu'on les envoie pour telle et telle mission. كثير من الأحيان بالمعارك بالجيوش بيكون في دور لهذه السرايا. يعملوا كمين أو يهجمون على مقدمة الجيش أو يأتون من الخلف أو نحو ذلك. Ces expéditions, des fois, ils ont des rôles très importants. Soit ils ont fait un embuscade, soit ils attaquent l'armée. Bon, par exemple, il y a 50 000, mais 1 000 personnes, ils attaquent au moment que les autres ne sont pas prêts, ne sont pas bien organisés. Ou des fois ils attaquent de derrière, ou ils font des choses, c'est pour impressionner l'ennemi, ainsi de suite. Alors, يقول عدة البعوث والسرايا على ما ذكره السهيلي 60. Alors, combien d'expéditions, combien de le prophète a fait envoyer? Presque 60. Ça a été dit 47, 48. قيل نحو 60
Seria kama qala al-Suhayli, et certains ils ont dit 47 ou 48. الأول من حيث البعث فعندنا البعث الذي بعثه حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. إلى la première expédition c'était celle de Hamza, l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام. عقد له لواء أبيض. Il lui a mis une bannière blanche. وكان النبي عقدها بنفسه وكان أول من غزا في سبيل الله. C'était le premier qui est sorti في سبيل الله. Hamza Asadullah. وأول من عقد له راية في الإسلام, la première qui avait une bannière dans l'islam, c'était Hamza aussi. في رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة, c'était dans le mois de Ramadan, 7 mois après l'immigration. كما قلنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. Ceux qui ont été qui ont subi de l'injustice, Allah Ta'ala leur a donné la permission de combattre. Parce qu'au début, ils avaient l'obligation de patienter. Fil awwal, kana al-matlub minhum an yasbiru wa la yuqatilu, thumma udhina lahum. Wa qil fi jamada, on a dit c'est dans le mois de Ramadan, ça a été dit dans jamada al-oula. Fi 30 min al-muhajirin, ils étaient 30 personnes de parmi les immigrés, il n'y avait pas les gens du Médine à l'Ansar. Pourquoi? Parce que comme vous connaissez au début l'Ansar qui ont fait le pacte de défendre le prophète alayhi salatu wasalam à Médine, ils ont dit on te défend comme on défend nos femmes, nos biens. Alors comme c'était ça le contrat avec le pacte lorsqu'ils étaient à Mina, alors le prophète alayhi salatu wasalam maintenant il veut que les musulmans sortent fi sabilillah, alors il a pris les immigrés. Ils étaient 30. وَالْمَقْصُودَ أَنْ يَعْتَرِضَ عِيرًا لِقُرَيْشِ. Ils voulaient attaquer un caravane pour Quraysh qui est venu de Bilad al-Sham. وَفِيهَا أَبُو جَهْلٍ مَعْ 300 رَجُلٍ. Ils étaient 300 hommes et lui il a envoyé Hamza avec 30 hommes. فَبَلَغُوا إِلَى نَحْوِ سِيفِ الْبَحْرِ سَاحِلَ مِنْ نَاحِيَةَ الْعِيسِ. Ils sont arrivés vers la mer, une région que c'est une caravane qui vient de Bilad Sham et c'est la région du tribu de Sulaim. Alors ils se sont retrouvés et il y avait même chacun il s'est préparé pour la guerre. Lakin rajul ismuhu Majdi ibn Amr al-Juhani de Juhayna, un homme qui s'appelle Majdi, il s'est mis au milieu et qui était un allié avec les musulmans, il avait des bonnes relations et de l'autre côté il avait des bonnes relations. Il est rentré dedans pour ne pas laisser la bataille passe. فمنعهم من القتال وانصرفوا ولم يكن قتال. Ils se sont quitter sans faire la guerre. البعث الثاني بعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف من أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام. Il a envoyé encore عبيدة fils de الحارث ابن المطلب. C'est parmi les cousins du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il a موضع بين المدينة والجحفة وهو من منازل خزاعة. Il a envoyé vers un endroit entre la Médine et le Juhfa. Et c'est la région de la tribu qui s'appelle خزاعة. خرج إليها في شوال على رأس ثمانية أشهر. يعني un mois après حمزة. يعني on dit 8 mois après l'immigration. في 60 أو 80. يعني certains ont dit 60 ou 80 parmi les immigrés. 80 ou 60 من المهاجرين. فلقي بها جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان بن حرب. Alors il a rencontré un grand groupe de Quraysh et c'était Abu Sufyan ibn Harb, vous connaissez qui est-ce. عكرمة, le fils de Abu Jahl, encore était parmi les dirigeants. فكان بينهم الرمي ولم يسل السيوف. Alors ils étaient la tire à l'arc entre eux, mais il n'y avait pas une bataille avec les épées.
هلا قيل في هذا أول بعث وقيل في حمزة وقيل أرسلهما معا فلذلك التبس الأمر. يعني certains disent c'est ça la première expédition, d'autres ont dit non c'est la deuxième, d'autres ont dit le prophète les a envoyés presque ensemble, c'est pour cela on a dit c'est celle-là la première ou celle de Hamza. وقول يعني on a dit il y a trois avis comme on vient de dire. Lekin l'avis le plus juste c'est le premier, que le premier expédition c'est celle de Hamza. وكان بين المسلمين الكفار رمي بالسهام لم يعد يعني بس لم يعد ذلك. C'était seulement une tire à l'arc, il n'y avait pas une bataille avec les épées. ولم يصطفوا للقتال. لكن أول من رمى بسهم سعد بن أبي وقاص. Le premier qui a tiré une flèche dans cette bataille, c'était Saad. Et c'est pour cela qu'on a dit, Saad, c'est la première personne qui a tiré une flèche fil l'islam. Awwal man rama sahman fil l'islam, Saad ibn Abi Waqqas. Ou antum, يعني اللي تعرفوا Saad هو أحد العشرة المبشرين بالجنة, صاحب الدعوة المستجابة, وأحد أمهر الرومات. Saad ibn Abi Waqqas, c'est parmi les 10 que le prophète leur a annoncé le paradis. Et Saad, c'est connu par son invocation exaucée, da'watu mustajaba, et Saad était un grand tireur. Bain al-Sahaba, c'était un grand tireur. Wa farra min al-mushrikina ila al-muslimin al-Mughdad ibn Amr wa Utba ibn Ghazwan. Alors, deux personnes qui étaient de l'armée avec le kuffar, mais ils ont pu s'échapper. Ils sont sortis, ils étaient musulmans. Mais pourquoi ils ont été avec eux? C'est pour qu'ils trouvaient l'occasion de rejoindre les musulmans. Al-Mughdad ibn Amr, qui était dans la bataille de Badr, après, en ayant un cheval, c'était un grand compagnon, et Utba, fils de Ghazwan. وكان لواءه أبيض حمله مصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب. Alors, il avait la bannière blanche et qui était avec مصطح, un parmi les musulmans. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.